Et je les ai retrouvés dans une pièce. Je pense que c'est une pièce habitée par un enfant qui écrit de la merde. Mais il sait écrire quand même. Je vais sortir. Oh! J'ai croisé quelqu'un. Alors, Bonsoir. bonsoir, Comment Exelo. t'allais? Alors, toi, tu t'es perdu, toi? Alors, attendez. Ouais, Oh, il y a. je suis tombé là, qu'il l'avait par Il y a hasard. des flèches partout. Il y a une flèche là-bas qui dit d'aller à droite, il y a une flèche ici qui dit d'aller à gauche. Comment on fait? On suit pas les flèches, jamais suivre les flèches. Ouais, merde, je suis une flèche là. Vas-y, on va tout le temps à l'inverse des flèches. Tu penses que c'est ça? C'est absolument rien. En tout cas, on n'est pas les premiers à être arrivés ici. Bah, s'il y a des flèches, effectivement. Je Moi, j'ai trouvé une échelle. Oh, ah, déjà? Bah, ouais, mais. Attends, faut qu'on te cherche. Tu peux pas siffler? Vous m'avez entendu? Ah merde. Non, ça, tu dois être tellement loin. Hello? Il y a écrit Escape, ça doit être vers là qu'on sort. Ah bah j'imagine. Bah après, est-ce que vraiment on a envie de sortir? Ah! Ah! Je vous ai trouvé! Bon bah c'est fini, on a trouvé la sortie. Bon bah qu'est-ce qu'on Ben fait? On voilà. va Eh ben ouais, GG. utiliser l'escabeau. Ah bah ça va, on est dans une pièce plus grande là. Il y a deux meubles apparemment. Ouf, Chacun fait son il y a choix. des Il y a de l'eau. pilules Oh! d'anxiété. Récupérer des pilules d'anxiété. Il y a un mot aussi. Pilules d'anxiété. Ces pilules sont utilisées pour se calmer. Elles réduiront votre anxiété. Ça, ils ont bien trouvé le nom. Hein. Pilules d'anxiété qui permet de réduire l'anxiété, j'y aurais pas cru. Confidentiel. Dans les plus sombres recoins, ces murs abritent quelque chose de mystérieux. Un espèce de sourire brillant qui ressort de l'obscurité. Les rumeurs disent qu'il y a un corps physique qui ne peut pas être vu par l'œil humain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est attiré par des sources de lumière et qu'il vous piège dans le vide des ombres et que vous ne reverrez probablement jamais la lumière. Souvenez-vous, un sourire ne reflète pas toujours la paix. Qui ouvre la porte? Pas moi. Qui y va? Moi. Faut toujours quelqu'un qui ouvre la porte, quelqu'un qui y va. Ouais, les plus jeunes d'abord. Ah, et ben vas-y, Exelo. Voilà. Hop. On fait un jeu. On se met tous à dos et on s'éloigne. Un truc là. T'as vu un truc? Oui. Le truc est passé. Bon, on se met tous à dos et on s'éloigne. Ok, Vas-y, on allez, s'éloigne, ouais. merci. Ah, j'ai trouvé un papier. What's your C'est un stamina? pied. Non, ça va, c'est juste un pied, vous inquiétez pas. J'ai un pied. Bonjour. Il est aussi attiré par Ah! le bruit et J'ai vu intimidé un avec mec la qui sourit. J'ai vu crainte. Sourire Man. Tu veux prendre Vas-y, une prends. lampe? Ah, on peut en prendre Courir, tous une? une. Vas-y. Alors, c'est par là à gauche. On va la voir. Ici, y a un truc à péter, non? Vous l'avez entendu? Oui. Oh là là! Une lumière rouge, ça Oui. c'est un peu flippant. J'ai pas envie de sortir du coup. Je sais que si on voit quelque chose, on va tous courir au placard. Là, non? Sur E. Ouais, il y a un Ah! bruit. Ah! Pardon. Super. C'est un humanoïde qui semble être fait de câbles, pour une certaine raison. Il est Il contrôle la zone. Quand il est proche, l'environnement des pièges change et il semble être attiré par les appareils électroniques et les fréquences radio. Donc, quand vous êtes dans la même zone que lui, soyez vigilant. Vous ne voudriez pas attirer votre propre mort. Ah, ah, y a un chien, courez, courez, Fermez courez, la porte, courez, fermez la courez, porte, fermez la porte. courez. T'es sorti? Oh non! On peut changer. J'ai pas envie de casser quoi que ce soit. C'est qu'à gueuler. T'es mort. Xelo, il est mort. Bah, Xelo est mort. Je vais aller me cacher dans un casier, moi. Qu'est-ce qui s'est passé, J'ai Xelo? ressuscité. Ah, à l'aide. Mais attends. Aidez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu quelqu'un qui m'a souri au visage. Et tout à coup, je me suis effondré. J'ai eu un rêve où je me dirigeais vers une lumière blanche. D'accord. C'est pas une blague. Hein. Je me suis caché dans un Lumière rouge, c'est placard. dangereux, hein, lumière rouge. J'en sais rien. Ah! Mais non! Il y a un monsieur! J'ai entendu un bruit pas loin de moi. Il a l'air énorme le monstre, non? Il a fait un bruit. Très Vous voulez peur. voir le mur bizarre? Ouais.
Attends, je sais pas où vous êtes. Paulinette. Bah, je suis, on est juste à côté du de là où je t'ai volé ton placard. Ah, c'est vrai que c'est bien, c'est bizarre, c'est particulier quand même. Par contre, du coup, on peut regarder une VHS si vous voulez. Y'a un monstre, y'a un monstre. C'est la Paulinette. Non. T'es par là, je l'entends. Ah, ah, pardon. Je t'ai entendu crier, c'était très drôle. Oh, bon. La lumière est devenue rouge. Non, 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 il y a un méchant. Où ça? Il y a Satan. Bah, quand c'est rouge, souvent c'est la merde. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai conclu. Hein. Rouge égale merde. Ah, ah, c'est bon, il a arrêté. Et c'est tout. Ah. Il y a Xélo qui court, je t'ai vu courir. Non, c'est pas moi, c'est F. Ah, c'est F. Moi, je suis dans un casier. Je bouge plus. Salut. Ah. Non, c'était moi. Non, mais il y a une lumière rouge. Ah. Il est grand, hein. Oui, mais surtout on a fait une bataille de regard. Hein? Ah bah pour la mort, putain c'est... Ah c'est... Quoi? Ah, salut F. Attends, il y a un bruit bizarre, non? Ah si tu veux, il y a de la drogue là-bas. Attends. Là derrière. Il y a ça. On cherche de la drogue en fait, on est juste des junkies. La porte elle s'affiche pas en fait. Ah! Ouais, on a chacun croisé un monstre. Chacun le sien. Ah. Alors. Nathan Allen. Ah, je connais un Nathan. C'est peut-être Nathan Reynolds. Attends, mais je... Oh, il est là. Il y a le méchant. Il y a le méchant. Au bout du couloir. Ah. Putain. Oh. Y'a un mort. Tu l'as trouvé le cadavre, Xélo? En jaune? Non. Radiation room. L'endroit qui suit est entièrement radioactif. Donc si quelqu'un veut entrer, une combinaison de protection est requise, sinon la radiation pourrait tuer la personne. Il y a une porte verrouillée qui ne servira que si les radiations de la pièce sont à faible niveau. Pour ce faire, un extincteur de classe D est requis. Ok. Là, c'est là où Paulinette était mort. Du coup, moi je vais... Là. Ah! Ah! Oh putain, c'était toi, c'était Xélo. Xélo, t'es mort? Oui. Ok, putain. Et la lumière rouge, c'est pas bon signe, hein? Ça, oui, il est juste à côté de vous. Ok, bah salut. Oh, j'ai trouvé le corps de Xélo. Il y a des cadavres! Tenue de protection, on a la tenue de protection, on peut aller en enfer. Let's go. Bouteille d'extincteur. Compteur Geiger. Xélo, t'as mis ta combi? Oui. Là, il y a le sourire! Y'a tout! Ah, viens là, viens là! Si, viens là! Oh là! Eh ben non! J'ai fermé la porte. Non, arrête de siffler. Il passe pas à travers les ports. C'est un loser. Qu'est-ce qu'on sait? De quoi? Qu'est-ce que t'en sais? Bah, je siffle et il vient pas. Je pense que si je la porte, je le vois. Ah! Ah! Ouh, bah, gars! Ah! C'est rouge! La zone radioactive, Radioactive Land. Radioactive Land. Ah! C'est trop drôle, monsieur. Y'a un monstre qui mange des poubelles à côté de moi.
L'extincteur, il sert à quoi ? À enlever la radiation. Ok. Donc ça dure que 3 minutes, donc faut pas le gaspiller. Et il faudra le faire pour ouvrir une porte. Alors les objets radioactifs, c'est les objets qu'on va trouver par terre, genre les bottes et les trucs comme ça. Oh, la résurrection. Il reste, on a au niveau 3. Il manque encore deux objets à déparalyser. Qu'à ouvrir. Ah, c'est bon, la porte est ouverte. Venez, venez, vite. Vite. Non, je suis trop fort. Je sais où c'est. Ah, c'est ça. Ok. Ok. Il y en a qui est parti en courant. On était 3, on est plus que deux. Bah, allez, plus personne. Ah, mais non, en fait, on peut le battre avec de la lumière. On le fait disparaître avec de la lumière. Sourire.jpg. Bien sûr. Ah, non, pas du tout. Avancez. Et regardez, il disparaîtra. Vas-y, avance. Ah, putain. Peut-être un peu ce qu'on appelle le karma. C'est toi qui es mort ? Oui. T'as avancé ? Il est passé par les ventilations et il est tombé juste devant moi. Ah, il est là. Ah, 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 ah. Mais Pauline ! Pourquoi ? Désolé. Ah, je suis mort. Il va pas me voir. Il me cherche, mais il me verra pas. Ah, ah. Bah, Xelo, il se revive, mais Xelo va crever, je pense, probablement. Non ? Ah non. Ah ! C'est pas possible! En fait, dessus, tu peux interact avec le marteau. Le chien, il est juste derrière la porte! Il est à côté de moi! Ah, il ouvre les portes! Non! Ah, il passe à travers les murs! Et on entend le chien là dans les. Il va arriver. Hein. Oh. Y'a un placard, y'a deux placards. J'ai pris le mien. J'ai pris le mien. Je me fais suivre. Ah. C'est bon, F? J'entends pas de battement de cœur. Ah, il est derrière, merde. Putain, c'est trop drôle. Moi je suis dans la salle du cheval, je suis dans un casier. Merde. Pour essayer de trouver le casier rouge. T'as attaqué. Oh. C'est là l'histoire des tableaux. Bah c'est important du coup. Quel tableau ? Bah en gros, dans les tableaux, il y avait un code. Donc c'est un code à... C'est rouge, c'est rouge. C'est un code à 5 lettres. Ah, il y a un phare. Ça se trouve, il se regarde avec des lunettes particulières ou je sais pas, non ? Ah, j'ai vu un E. Il y a un E sur le dernier. Le dernier, c'est un E. Okay. Le code, c'est pas A, E. Ah... Ah, ah Attends, mais quoi? Mais je vois pas. Ah, U! Il y a un U là. Combien? U, le premier, c'est un U. Mais je vois, okay. Mais je vois pas. Le deuxième, c'est un N. UN. UN. UN, ouais. UNC. J'y vois pas. L. UNCL. Ah, ok, il faut regarder d'en dessous. Putain, UNCL. Uncle. Encule. Uncle. C'était quoi? J'ai juste spammé les boutons. Attends. C'était quoi? Je sais pas. J'ai des piles. Bon, maintenant on va dans la zone magique. Vous allez voir, c'est trop bien. C'est le meilleur endroit du jeu. Ah! C'est tout rouge! Bon. Ah! Dès que t'approches, c'est rouge!
Là, on va dans la zone radioactive. Radioactive man. Oh, il est en train de nous gazer. Non, mais c'est trop rouge là. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Non, je... Bon, Exelo, t'es mort ou pas? Ah non, je suis pas mort. Hein. Attends, mais il était sur toi. Moi, je suis parti. Hein. Bon, on y va. Attends, il faut que je me drogue. Ça va mieux. Bonjour le chien, au revoir le chien. Il est juste devant moi, juste devant un casier. Ça va, je t'ai mis en PLS dans un coin. Ah non, un petit numéro 10, oh là. Il y a une créature qui erre sans but dans certaines zones des backrooms. Elle ne semble pas avoir de conscience jusqu'à ce qu'elle ait faim, au point où elle devient agressive. Elle commence à chercher le candidat le plus proche pour en faire son repas. Elle se distingue des autres créatures car elle aime écorcher de ses victimes et voler leur peau. Après, il a été découvert récemment qu'elle peut sentir l'odeur du sang sur de longues distances. Donc si vous êtes blessé, vous devriez probablement vous soigner rapidement. Là, là. Et regardez la porte. Attends, mais avant... Non. Ah, il faut rester dessus. Vous pensez qu'on peut y aller tous les trois ou pas? Bah non, tu restes derrière. Ouh. Oh là, bah au revoir Exelo. Hein. T'es mort ou pas? Non, ne venez pas, ne venez pas. Surtout ne venez pas. Pourquoi? Bah on va, ne va pas avoir le choix parce qu'on va pas pouvoir retourner en arrière venez. Là. Venez. Venez et avancez tout droit dès que vous sortez. Oui. Avancez oui. Tout... Non, va, allez à gauche et avancez tout droit. Pourquoi? Allez à gauche, allez à gauche. Y'a un mec qui mange des trucs là-bas. Y'a un mec qui mange des cadavres là-bas. Il est là, je le vois. Il est tout rouge. Hé, hey, sale loser. Ah. C'est bon. Bon vas-y, allez, hop, c'est parti. Oups. Il a... Il m'a volé tout. Mais attends, 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 ouvre, ouvre. Ah, c'est là où on peut l'enfermer? Non, on va pas l'enfermer là, mais... Ah, ah. Viens, vite, vite, vite. J'ai plus rien. C'est bon, j'ai c'est plus bon. Aucun. Alors, loser. Nulos. Ah, le loser. Nulos. Vas-y, fais ton demi-tour. Ouais, là. Casse-toi. Allez, casse-toi. Entity, il a un ballon dans la main. Information, un être humain, oui, il se trouve dans les backrooms. Il aime farcer les gens avec des objets de fête. Mais au final, l'entité, je cours. Il est derrière moi. Je retourne dans l'ascenseur. Mais au final, l'entité les tuera et collectera leurs corps, les transformant en festins de chair et d'eau humain pour en faire des gâteaux. Il est dit que vous voyez un ballon de fête qui flotte dans les airs, la meilleure option est de s'enfuir immédiatement. Ah non, 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 non. Reparti okay, où? Alors, attendez. Bah, on est à l'ordi, là. Eh, mais le code, en fait, il est écrit. Il y a des numéros. Sais pas où c'est, hein. Il y a des numéros. Il y a le monstre qui arrive, il y a un monstre sur toi, F. Vous êtes toujours dans la salle avec la porte rouge là? Enfin, la porte. Non. Non, on est mort. La tête de cul là. Ah, ok. Là, là, là. Si. Moi, je choisis celui-là. Ok. Donc le gâteau, les boutons. 1, 2, 3. Y'a plus de porte. Y'a un truc qui s'est affiché là. Let's play pop them all or die. On doit éclater les ballons ou mourir. Ah, ah. Ouais, ça va tellement vite. Okay, bon, dans la merde. Non. C'est impossible en fait. Ah, on est pas mort. On est pas mort, on a juste été blessé. Bon, on va manger du gâteau. C'est une belle tarte aux fraises. Time to play, il faut se tenir ici. Venez. Let's play, find your gift. Ok. Ah. Oh,
On a eu des TP. Let's play Find Your Gift, let's go. Je sais pas, mais c'était pas beau. Ah. C'est quoi, des... ils donnent des cadeaux moches? Une sorte de... d'explosion. Une explosion? J'ai trouvé une explosion. Une bombe. Boum. Attends, attends, mais... Oh, y a... attends, mais on va mourir là. On va mourir. Find Your Gift. Oula, ça, ça... C'est tout rouge? Y'a un monstre, y'a un monstre. J'entends. Vous êtes où, vous? Oh merde, ça veut dire que moi je vais mourir en fait. L'autre cadeau. 2 sur 2. C'est moi, 2. Moi je suis 3ème sur 2, c'est ça? Non, c'est moi. Non, 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 2 sur 2, on a tous les cadeaux. Oh GG. Oh. On passe quoi là? Là on a, on trouve d'autres cadeaux, vite. Là j'en ai un autre. 1 sur 3. Ah oui, d'accord, ok. Bon, attends, mais il reste 2 secondes là. Eh, on va mourir! Mais c'est ultra dur en fait. Ah oui. Ah j'en ai un autre. Il en manque un. Ah bah moi aussi. Ah c'était Venom. J'en ai un. Ah ouais. Mais il bouge toujours? Ah non. Oh, oh, oh. GG. Oh merci. Blow the candle. Tu veux des bougies? Je t'ai repris mon stuff. Attends, y'a un ballon. Y'a un fantôme qui a un ballon. Faut aller ici. Attends, c'est qui là? F, c'est à toi ça, ce stuff hein. Mais attends, c'est qui est mort là? Y'a quelqu'un qui. Non, c'est bon, c'est bon, c'est juste le méchant. C'est là, juste là le méchant qui se balade encore. Il est là là? Ouais, allez, viens, F. Allez, viens, on est bien. Ah, ouais, laisse-le avec son ballon. Ok, attends, j'arrive. On joue encore? Ah, voilà, attendez, il y a des lignes sur le sol. Faut pas qu'on y marche dessus, je pense. Ah. Il est là, en tout cas. J'entends marcher. C'est fou. Ah, il est juste là, en fait. Ah, il est là. Je suis derrière lui, je suis sur lui. À mon avis, il est malade. Il a pas d'anus. Enfin, il a un cul de merde. Il a des jambes rabougries. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas y aller. C'est ça? Par le tour. Ah bah voilà. Forcément c'est moi. C'est absolument pas de bizarre. Que la porte elle est pas trop dure à trouver. Ah oui parce que en plus on peut ne pas suivre. J'ai soufflé une autre bougie. Oh bien joué. C'est la dernière. J'ai passé la porte. Elle, il faut juste passer à travers. Bon ouais. On se barre. Ah en bon. Fait, l'autre il est là. Hein. Tant pis. Ouais. Vers là je crois, non? On est là. Où ça a gueulé. Ok, je vois. Là, ici, suis-moi. Attendez, il faut que je prenne de la drogue. Vas-y, un peu de drogue. Il y a un mec qui fait des backrooms. Oh, c'est stylé. Oh. Ah. Ah, en fait, non, c'est un délire. Ah, je suis médecin. Moi, oh. This is quite incredible. You're awake. I'm sure you are wondering where you are right now. So you were found passed out, and then you were immediately rushed to our hospital. That incident happened about coma for nearly 2 years. I'm really interested about what chain of events caused you to wake up from the coma. For all this time, are you dreaming about something? Anything out of the ordinary that you can recall? Listen, never mind. I will give you some time to recover, and I'll be back later with some questions. Take it easy. It is really amazing to see that you are back. Oh, on a réussi! GG! 2h54. 2h54, ouais. Pas mal.